J'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, aujourd'hui est le premier jour de quelque chose que je vais expérimenter, qui est une semaine dans ma vie. Let's go! Je vous avoue que normalement à 7h, il est 15h20. J'étais censée être au travail. Là, j'ai déjà pris ma pause déjeuner, etc. Sauf que finalement, c'est demain la rentrée pour des raisons que je ne peux pas préciser. Mais c'est demain la rentrée finalement. Donc demain, vous irez avec moi dans ce travail. Il faut que je retourne travailler. Voilà, ça fait bizarre. Mais quand tu aimes ton travail, ben, c'est comme ça, frère. Il y a un temps pour se reposer, un temps pour travailler. Et c'est le moment de travail. Voilà, c'est tout. Donc du coup... Finalement, aujourd'hui, waouh! Tonight is gonna be cool! Donc, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? En fait, j'avais prévu de faire des trucs après le travail. Donc, ce que j'avais prévu de faire après le travail, je vais le faire maintenant. Bon, ok. Là, ça fait vraiment big hair, tu vois. Waouh! J'aime bien. Ça fait. Attends, girl, ça fait half four, girl, she gets it. Bon, je vous ai peut-être pas encore introduit à my baby, but this is my baby right now. My little baby, ma première voiture. Ma première voiture et je suis contente et je pense qu'il y a un témoignage là-dessus aussi, comme pour mon travail, mais quand le temps sera venu, je ferai le témoignage de comment est-ce que ça s'est passé pour le travail et pour la voiture. Donc voilà, let's go guys, c'est parti en route. En ce moment, je kiffe la salsa chrétienne. Je ne me demandez pas pourquoi, but I love it, ok? So don't judge me and yeah. It's cool. It's cool. Alors, comme d'habitude, il m'arrive des petits trucs, voilà. Genre la carte sans contact, elle est pas passée. Et ensuite, je vois que c'est écrit remettez votre carte. Sauf que j'ai cru comprendre que la dame me disait attendez sa charge. Donc j'attends. Et puis après, genre il y a peut-être 2 minutes qui passent, elle me dit madame, vous n'avez pas mis votre carte. J'ai dit ah désolé, je savais pas, je pensais que oh là là, cringy moment all the time, bro. Là je rentre, il est 16h37. Je pense avoir le temps. Et à 17h, on fait la séance de sport. With my little sister, bro. My petite soeur, frère, voilà. Ça fait bizarre de traduire. Je vais écrire en bas directement parce que ça fait bizarre de traduire en français. Parce que tu vois, quand tu parles en anglais, c'est parce que c'est la vibe de l'anglais, tu vois. Anyways. Allez, let's go, je parle trop. I said hey. Ah, ça va? Ça va et toi? Ça va. Can you say hi to the camera? Bon, elle veut pas être vue, du coup, elle va juste dire hi, comme ça vous allez l'entendre. Hi to the camera. Elle fait hi to the camera. Ok, bon, on va faire la séance du coup et moi je reviens à la fin quand on sera bien fatigué et ensuite on verra pour la suite. Let's go! Alright! Ah, 2, 3! Workout done! Je vais vous mettre le lien en barre d'infos de cette fille parce que elle fait vraiment du bien à beaucoup de personnes. So yeah, she's a good girl. She deserves it. Can you have it say, man? Amen.
But the same danger that happens when you take anything, any text, and isolate it and reinterpret it, is the same danger we have when we go into the Word of God. Je crois que cette journée va bien se passer, malgré le retard, c'est pas grave, on garde le sourire, ok? Et ouais, je vais chercher le petit déjeuner et ensuite je vais au bureau. Let's go guys! Well, it's time to come back to work. Are we happy? Yes we are. Mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Ça va. Sorry for the late. Ça va? Ça va toi? Oui. C'est fraîche. Ah ouais? Is very very tired. Je suis super fatiguée, mais c'était une belle journée et on a passé une moitié de la journée pratiquement à voir un peu comment s'est passé les 3 semaines, puisqu'en fait on avait planifié des postes, etc. Donc on s'est pas si mal sorti. Je suis quand même contente et on verra la suite, comment est-ce que ça va se passer pour le reste. Et voilà. Je vais rentrer, je vais faire du sport et en fonction, je pense que je vais aller dormir un peu tôt ce soir. Je vais essayer d'aller dormir tôt pour pouvoir être mieux en forme demain matin pour continuer la semaine de travail. Donc en gros, c'est un peu comme ça que se passe ma journée. Je me réveille, je fais mon quiet time, je vais au travail, après je rentre, je fais du sport. Bon, ça, le sport, ça a commencé depuis les vacances, on va pas mentir, parce qu'avant j'étais un peu fatiguée. Bref, du coup, je disais, elle a changé d'emplacement, je me suis garée là où je devais. En gros, ce qui se passe, c'est que avant les vacances, j'étais vraiment. J'avais pas la motivation en fait. Mais depuis qu'on a essayé de reprendre le sport avec ma soeur, là, j'ai une sorte de motivation, de raison. De raison pour laquelle je veux faire le sport. Donc. Je suis motivée et même si que c'est dur, c'est pas facile, on va quand même le faire. And that's on period. Mais peut-être je vais filmer ce soir. Et si je filme pas ce soir, on se retrouve demain. Salut toi, aujourd'hui mercredi, milieu de la semaine. Vous allez apprendre à me connaître, mais mes fait souvent des gaffes. Et bon, c'est pas grave, mais elles sont toujours rattrapables. Donc ça, c'est pas mal. Donc en fait, j'avais décidé, parce que mon travail, il est pas loin. Hein. Je peux aller à pied. Il est à 20 minutes à pied, pour moi, c'est pas beaucoup. Du coup, j'avais décidé de partir à pied tranquillement pour me faire une petite promenade et tout avant le travail. Donc voilà-t-il pas que pendant que je marche, je me rends compte que j'avais pas pris mes chargeurs en fait d'ordi et de portable, donc j'ai dû retourner à pied et du coup j'ai eu la flemme de repartir au travail à pied, donc j'ai pris la voiture et je suis venue. Je sais, c'est pas tout le temps bien parce que l'essence ça coûte cher et il ne faut pas polluer, mais là, your girl, she said no, that's on period. Désolée si je filme pas beaucoup parce qu'en fait je travaille, je vois pas trop ce que j'ai à vous montrer. Ah, mince. J'ai l'impression que ce vlog sera majoritairement moi dans la voiture en train de vous parler à chaque fois. Enfin bref, là j'ai fini le travail. Et ensuite je vais faire de l'essence.
vous êtes pas droit. Là, je suis droit. Voilà, it's much better. Je vais faire de l'essence. Et après, ce soir, on a réunion de prière. 1 heure. Et ensuite, normalement, on a un live Instagram. Donc, pour ceux qui ne savent pas, avec les pépins, on fait des lives une fois par semaine à 21h le mercredi sur mon compte Instagram. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir participer. J'essaye vraiment de filmer et je suis désolée si le plus souvent c'est dans ce sens-là, dans le sens du portrait, parce que c'est pas, pour moi c'est mieux. Donc j'espère que ça va passer. Je vais mettre un petit fond, c'est déjà le cas d'ailleurs, il y a un petit fond actuellement, je suis sûre que quand j'ai édité la vidéo, je l'ai fait. Donc voilà. Let's continue the day, bro. The day is continuing. Yeah. Après une réunion de prière très forte qui m'a fait beaucoup de bien, j'en avais besoin. C'est comme si, en fait, en début de journée, non, en fin de journée, bro, j'étais pas bien, tu vois. Parce qu'il y a plusieurs, mauvaises nouvelles. Enfin, une en particulier qui m'a un peu affectée. Et en fait, le moment de prière était trop bien pensé. Parce qu'en fait, depuis plusieurs semaines, je me disais, girl, quand tu pries en ce moment, cherche Dieu. Cherche pas à ce qu'il réponde à tes besoins, etc. Mais cherche juste Dieu. Et c'était exactement ça le thème de prière de ce soir. Et je suis tellement contente et reconnaissante pour nos responsables parce que, du coup, tu vois, il y a une sorte de... Merci Seigneur, parce qu'ils comprennent juste ce que Dieu veut en chaque saison, donc c'est super cool. Et c'était vraiment... ça a vraiment fait du bien. Donc finalement, comme vous le voyez, je suis... I'm at home, je suis chez moi. Finalement, on n'a pas fait le live Instagram. On a décidé de le faire une semaine sur deux. Donc, la semaine dernière, on l'a fait. Donc, ce sera la semaine prochaine. J'espère juste qu'une fois où je vais refaire une semaine avec moi, ce sera une fois où ça va tomber, où il y aura un live Instagram. Et comme ça... Pardon, mais fais des bêtises. Et comme ça, voilà, ça fera une activité. Demain, j'ai hâte de demain parce que j'irai dans un restaurant coréen. Alors, deux choses. C'est la première fois que je vais dans un restaurant coréen. La dernière fois... Enfin, non, c'est pas la première fois. C'est la première fois que je vais dans ce restaurant-là. Parce que la première fois que j'étais allée, c'était dans un barbecue coréen à Paris. Et c'était juste extra cool. J'ai trop kiffé. Mais là, c'est pas un barbecue coréen, c'est vraiment un restaurant coréen en fait. Donc, je disais deux choses. La première, c'est ça. La deuxième chose, c'est que j'irai seule. Donc, je vais faire mon expérience et on va voir ce que ça va donner. Et j'espère... En fait, pas j'espère, parce que je l'ai déjà fait. Je te dis, en fait, le truc avec moi, c'est que quand je suis en France, j'ai l'impression que je fais moins de choses. Alors, quand je suis à l'étranger, je sais pas, comme c'est pas mon pays, tu vois. Donc, du coup, je me permets... Mais là, ce sera la première fois où je vais aller au restaurant seul, en France, dans la ville où j'habite. Donc, on va voir ce que ça va donner et j'ai hâte. Donc c'est sur une fin de journée de travail que tu commences du coup la journée avec moi. Donc comme prévu, il y aura bien le solo date ce soir qui est d'aller manger dans un restaurant coréen. Je vais chercher les aliments qui ne sont pas du tout pimentés. J'espère qu'il y en a parce que si vous savez pas, je n'aime pas le piment. Je n'aime pas les trucs trop épicés non plus. Mais on va essayer et voilà, je sais que je pourrais peut-être pas goûter les tteokbokki. Les vrais tteokbokki, je pourrais pas. Mais bon, on va voir ce qu'il y a d'intéressant.
Waouh, merci. C'est bon, c'est chaud. Si tu me fais tout ce qu'il faut, c'est pas trop bimant. Non, c'est bon. Ça ira pour c'est bon, dormir. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Your girl s'est réveillée tard. Et your girl s'est couchée tard. En fait, c'était pas juste que j'allais me promener, etc. Après, il y a ma soeur qui m'a appelé. Et à peine j'ai raccroché, il y a mes parents qui m'ont appelé. Et là, on a parlé jusqu'à presque 1h du matin. Du coup, quand c'est comme ça, je prends du temps pour me coucher. Donc, je me suis endormie vers 2h du matin. Et ce matin, je me suis réveillée en mode oh my god, c'est pas encore le week-end, c'est le dernier jour de travail. Du coup, voilà, that's my little story. Je vous dis, je sais pas, ma vie là, de temps en temps là, c'est. Il y a des. Il y a des choses qui se passent. Je me dis, hey girl, come on. Enfin bref. Aujourd'hui, donc, j'en ai travail. Et ensuite, là, il y a deux réunions qui vont s'enchaîner. Ce soir et une autre réunion demain midi. Je pense pas que je pourrais filmer parce que c'est lié à l'église, etc. Donc c'est assez. Ce serait indiscret de le faire. Mais en tout cas, voilà, là c'est la reprise. C'est la rentrée aussi pour l'église parce que du coup on avait fait une petite pause et du coup c'est la rentrée pour nous aussi. Et le temps de remettre tout à jour, etc. Au niveau de la jeunesse, au niveau des chantres et tout. En tout cas, je peux déjà donner mon ressenti sur les vlogs. Merci. Donc mon ressenti sur les vlogs, c'est de la semaine. C'est que, en fait, je me rends compte de l'importance que j'accorde vraiment à ma vie privée. Donc c'est un bon point dans un premier temps. J'y pense beaucoup hein, à quand il faut filmer, etc. Mais il y a des points que je n'ai pas forcément envie de montrer. Bien peut-être que je ne suis pas encore à l'aise avec. Mais en tout cas, j'accorde quand même de l'importance à certaines choses qui doivent rester privées. Je pense que c'est vraiment important en fait de prendre conscience de ça. Donc c'est surtout sur cet aspect-là que ça m'a fait réfléchir. Donc je vais continuer ma journée de travail et peut-être qu'on va se retrouver ce soir. Je vais voir si je peux filmer des choses sans forcément aller dans les détails. Sans rien. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Je me suis trouvée dans un parc où il y a personne. En plus aujourd'hui dimanche, donc c'est un bon jour pour filmer. J'ai fait un petit peu le tour et il n'y a qu'une seule personne que j'ai vue qui est assise là-bas. Donc on va le faire et puis s'il y a des gens qui passent, ben je vais arrêter. Comme d'habitude, déjà, bonjour. Ben, on va commencer la vidéo pour que vous avez vu la semaine dernière. Ainsi, pour ne pas être à nouveau déçu, il refuse d'espérer. Alors je suis super contente, j'ai fini la vidéo, elle va être postée. De toute façon, je suppose que vous savez puisque vous l'avez déjà vue. Comme je vous l'avais dit, bon, je suis pas... Wow, bro. Like, what is happening here? Alors, j'ai pas fini la vidéo en temps, autant que je voulais. Mais c'est pas grave, je vais quand même aller du coup au lac pour aller voir le groupe de jeunes. Peut-être que je vais filmer, mais voilà, je vais essayer de profiter quand même. L'objectif, c'est de profiter du moment avec tout le monde. Si j'ai le temps de filmer, je filme. Mais dans tous les cas, je vous reprends pour qu'on puisse finir le vlog de la semaine.
comme il se doit. Et voilà, let's go. Ce très beau coucher de soleil que je voulais finir le vlog. C'est toute cette semaine, ça a été un challenge de filmer les choses qui me semblaient importantes et que je souhaitais montrer. Et franchement, ça m'a fait plaisir de t'emmener avec moi. J'espère qu'il y aura d'autres fois. Je pense pas que je pourrais faire ça d'affilée parce que c'est quand même du travail et de l'investissement. Mais j'ai quand même kiffé faire ça et je pense que peut-être les prochaines fois, ce sera quand j'aurai... par exemple des choses plus intéressantes dans la semaine, parce que là je travaillais donc du coup j'ai vraiment apprécié encore une fois. Alors c'est sûr qu'on se reverra la semaine prochaine, mais ce sera pas pour un vlog, mais sans doute pour parler d'un sujet en particulier ou autre. Là le soleil il est actuellement en train de partir derrière les nuages, donc je pense que je vais pas tarder à rentrer chez moi et me reposer et me préparer pour la semaine d'après. Voilà, en tout cas que Dieu te bénisse et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!